Welcome to Sapienza 47. We have two targets for you. Congressman Anthony L. Trout, a veteran of the invasion of Grenada, and Richard J. McGee. Though at first glance these two might not seem connected, they have a long-standing collaboration manipulating Trout's political opposition. Trout sends McGee after his weak but potentially dangerous adversaries and lets McGee manipulate and ultimately break them. Trout and McGee are in Sapienza on an arcane meet and greet with European moneymen and power brokers ahead of a possible presidential bid in 2024. We know that Trout is staying at the Via Caruso in the town square, but McGee's business is much more clandestine, and we don't have a location for where he will be. All we know is that he is to meet a Keith Keeble, a rich young man and possibly their next victim. Time to show them the consequences of political manipulation. Good luck, 47. Hey, salut tout le monde, c'est Immortal et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, Hitman 2, cible fugitive, les menteurs, donc en anglais The Deceiver, avec Richard J. McGee et Anthony L. Trout, qui sont donc deux cibles qu'on a déjà eues à Sapienza, en fait. Donc c'était dans la saison 1 de Hitman. Donc Sapienza, destination qui leur était propre en fait, hein, donc, mais ils n'ont jamais été ensemble, sauf donc aujourd'hui, les développeurs ont décidé de nous inclure deux cibles ensemble. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc deux versions que je vous propose aujourd'hui. La première, c'est donc sur Xbox One. Et donc là, j'ai décidé pour cette version de commencer donc par notre ami qui se trouve donc, c'est Richard justement. Donc on va s'occuper de lui tout de suite. Donc on va l'empoisonner, on va faire ça assez rapidement, ce qui nous évitera de rentrer dans l'hôtel de ville. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose d'assez rapide qui fonctionnait pas à la base, mais j'ai trouvé le petit truc. Donc on balance une pièce pendant qu'il est assis en fait à la terrasse en train de boire son café. Monsieur se lève et je vais empoisonner donc avec une boîte de poison mortel. Petit flacon bien sympathique et donc on va assister à sa mort d'ici quelques secondes. Voilà, bon, je pourrais très bien gagner du temps et partir, mais j'ai envie d'assister à ça. Oh bah alors, mais que s'est-il passé? Oh, pauvre petit bonhomme. Voilà, je vais en profiter pour récupérer des pièces de monnaie qui se trouvaient à côté des mecs en costume noir. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Donc vous voyez, c'est déjà une petite solution, c'est plutôt une petite méthode, on va dire, rapide, facile. Voilà, c'est très efficace et ça fonctionne bien. La toute première fois, donc il y a quelques années, quand on l'avait eu, j'avais voulu faire cette méthode-là, mais je n'y étais pas arrivé. Puis donc, je me suis dit, tiens, je vais recommencer. Donc du coup, vous verrez sur PS4 que j'élimine cette même cible différemment. Voilà. Et là, maintenant, on va s'occuper de Anthony. Donc on va s'infiltrer dans la cave à vin. Et on va voir ce qui s'y passe. Donc il y a comme certains qui peuvent me repérer. C'est pas trop ma place. Je ne suis pas trop ma place ici, mais donc là on voit notre ami qui regarde les bouteilles. Décider de faire le tour, faire attention, il y a quand même un ou deux mecs qui peuvent nous repérer, donc faites bien attention à tous les PNJ. Ils ont beau être bêtes hein, quand ils ont décidé de vous repérer. Alors là, on va s'occuper du plombier. Donc on s'occupe de lui, histoire d'attirer après les gardes dans cette même pièce.
Au moins un. On va essayer d'en attirer au moins un. Là, en plus, c'est que ce déguisement, bon, on peut aller quasiment partout. Donc, à ce niveau. Voilà, impeccable. Tiens, on attire le premier garde du corps d'Anthony. Et on va le ranger dans la caisse en bois. Ben oui, ben bien sûr. Donc ça, c'est très très bien. Donc là, on gagne du temps. Donc là, voilà, pareil, on essaie donc d'attirer le deuxième garde du corps. Et donc on va le neutraliser ici. Et on n'aura plus qu'à s'occuper. On n'aura plus qu'à s'occuper du député. On attendra gentiment qu'il revienne, mais là on a bon en attendant, donc on cache le corps de son deuxième garde du corps. Alors la pièce qu'on récupère et son pistolet. Ça peut toujours servir, soit pour poser à terre, éventuellement pour attirer quelqu'un. Donc là on attire quand même le personnel, histoire d'avoir le champ libre, parce que je compte empoisonner donc son verre. Donc du coup cette version sur Xbox One, ça sera uniquement de l'élimination par poison. Voilà. Et sur PS4, je vous le dis déjà, donc ce sera un deuxième type d'accident et corde à piano. Enfin, plus précisément, ce sera la dégaine. Vous savez, l'élément d'escalade qu'on pouvait avoir dans le DLC de l'équipement d'hiver. Avec la tenue de... La tenue de... C'était quoi déjà la tenue ? La tenue de... Ouais, la tenue de sport d'hiver, là, de... D'escalade. Ah, je sais plus comment il s'appelait, ce DLC. Winter quelque chose. Voilà. Donc, du coup, on neutralise également cette personne qu'on va cacher ici. Et donc, là, après, on sera tranquille, vu que Anthony sera accompagné d'un dernier gars, donc du personnel qui lui fait la visite du manoir. Allez, là, on en profite pour empoisonner son verre, comme ça, c'est fait. J'adore ce plan avec... Chandelier, je trouve ça génial. Très stylé. Voilà, donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment, je vais prendre mon temps en suivant la cible et le abruti là qui est devant. On va prendre mon temps, voilà. Comme un chasseur et sa proie. Voilà, j'adore. J'adore les suivre comme ça. Quand j'en ai l'occasion, prendre mon temps, j'adore ça. Allez-y, mon petit bonhomme. La porte. Allez, c'est parti. On le suit donc tranquillement. Excellent. Il va même parler un petit peu avec le mec donc qui s'occupe de la visite. Rien d'intéressant, cela dit. Je vais aller me positionner près d'eux. Puis on va les écouter même s'ils disent pas grand-chose. Allez. Not bad, I suppose. The air seems a little cool though. Mr. Caruso designed the airflow system himself. It is a constant 11 degrees and 75% humidity. Hmm.
Allez, le moment important arrive. Bientôt, bientôt. This is a particular gem. Allez, bois un coup. What the? Mission complete. Time to find an exit. Et voilà le travail. Excellent tout ça. Excellent. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Impeccable. Impeccable. Donc voilà, bah y a plus qu'à partir maintenant. Donc là, du coup, au niveau des sorties, nous avons bloqué l'accès. On peut pas partir par la voiture, là, qui est sur la droite. Donc il faut aller, par exemple, vers le port, prendre le bateau. Donc, du coup, j'ai coupé. C'est un petit peu long. Et donc, voilà. Donc voilà, on va quitter la rive. Et on va passer bientôt à la version PS4. Et voilà, tous les défis réussis, cible, assassin silencieux, impeccable, génial. Donc comme je le disais, on va passer à la version PS4 d'ici peu. Le score ensemble. Donc voilà, 159 000 points, 15 minutes, impec, voilà. Et donc on débloque le costume emblématique de 47 avec les gants, voilà, sans doute le meilleur costume évidemment vu que c'est son costume d'origine. Allez, c'est parti pour la version PS4. Alors du coup je parlais de la dégaine, du coup qui fait donc office de corde à piano, et donc j'en ai profité pour prendre le déguisement qui va avec. Je le trouve assez cool. Alors donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas éliminer notre cible. Donc du coup, pendant qu'il boit son verre ou son café, au rez-de-chaussée, on va plutôt l'éliminer donc dans l'hôtel de ville. Et on va faire passer ça pour un accident. Donc là, en attendant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a, je crois, une assistante et un gars, un client riche qui est dans le coin. Ne les neutralisez pas. En tout cas, à l'époque, c'était le cas, il fallait pas le faire à cause... c'était un risque d'avoir un échec de mission, donc du coup je ne l'ai pas fait, j'ai pas tenté. Là j'ai balancé une pièce histoire de voilà de neutraliser le garde dans le dos de la demoiselle qui a bien pris le temps au bon moment de se rasseoir sur le canapé. Voilà, comme ça c'est impeccable. Et je vais quand même me déguiser et on va s'occuper des collègues de ce petit bonhomme justement. Donc là, vous voyez qu'il y a une caméra qui filme ici. Mais comme on va dézinguer le système après, c'est pas gênant. Donc là, on s'occupe du mec qui va arriver sur le bord de la fenêtre là, tout de suite. Parce qu'il y en a trois dans la même pièce. Et tiens, paf! Voilà. Voilà, merci à la PS4 avec ses coupures à la noix. Ça, j'adore ça. Alors du coup, il a fait tomber son pistolet, donc du coup, son collègue va emmener l'arme. On va en profiter pour le neutraliser aussi. Donc on se dépêche de passer là par la porte. On la ferme. Et hop, tiens. On le neutralise également. On fait ça rapidement. On va s'occuper donc, cette fois-ci... du troisième qui s'est déplacé devant le système des caméras. Et on le neutralise aussi. Et tac! Tiens, voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, ce qu'on fait,
c'est que donc on efface l'épreuve donc des caméras, on tire le petit bonhomme, on va le mettre dans la caisse juste ici. Alors on prend celui-là, on le fait passer par la fenêtre, on va le cacher aussi. Voilà, autant être prudent quand même, faire attention. Voilà. Alors c'est pareil, on a ce petit bonhomme, là on va récupérer son arme, il pourra peut-être éviter de le laisser dans l'escalier. On va quand même le tirer dans le coin. Mais du coup, finalement, comme ils étaient nombreux là dans cette pièce, finalement, autant le mettre comme ça le long du mur. Comme ça, les gens ils viendront en priorité dans cette pièce au cas où. Donc là, on va détruire le carreau avec l'extincteur. On pourrait le faire avec un pistolet hein, ou un autre objet. Et donc là, on attend le moment. Et tac, impeccable, et voilà, on a tué notre cible avec le lustre, et voilà, donc, ensuite j'ai coupé, on se trouve tout de suite donc dans le manoir, histoire de donc préparer le terrain pour Anthony. Maintenant qu'on a tué Richard, on va s'occuper d'Anthony. Donc là je m'infiltre donc par la fontaine, histoire de me retrouver donc en sous-sol à proximité des caves. On va commencer à attirer du monde. Allez, une petite pièce. Allez, on va s'occuper de toi, mon lapin. Et on va te cacher dans la caisse. Donc là, on va s'occuper de l'un des gardes du corps. Voilà, c'est très très bien ça. Alors, on te cache avec le mec de la cave. On ramasse tout. Voilà, on va s'occuper du dernier garde du corps, histoire d'être tranquille et d'avoir le champ libre. Et ensuite, on va cacher le corps. Je préfère, moi, en tout cas. Donc, il y a une caisse juste au-dessus de l'escalier. Voilà, quand même faire attention par les fenêtres. Il y a certains gardes du manoir qui peuvent passer. Donc, voilà. Faites attention. Je crois même qu'il y en a un qui fait une ronde pas loin. De mémoire. Donc là maintenant c'est parti, on va s'occuper de notre cible qui est donc à proximité, mais donc vaut mieux courir quand même pour commencer à la tirer avec une pièce. Hop, allez c'est parti, on lance une petite pièce, il va commencer à venir juste là. Et on va essayer de l'avoir de l'autre côté. Du coup ce qui est bien c'est que le mec qui fait la visite, du coup il a continué son chemin, donc il revient pas tout de suite, ça c'est intéressant. Donc on a largement le temps. Et là, on va utiliser la dégaine pour l'étrangler. Et voilà, génial, génial. Allez, on cache ce petit bonhomme. Et on en a fini. Voilà, voilà les amis. Donc j'aimerais quand même savoir ce que vous avez pensé du coup de ces cibles.
à l'époque, bien sûr, quand elles sont sorties la première fois et quand elles ont été réactivées, est-ce que vous les avez refaites sur une autre plateforme éventuellement, ou bon ça après c'est pas important. En tout cas, est-ce que vous aviez aimé les cibles à l'époque? Moi oui, personnellement, bon, bien qu'elles soient quand même assez faciles à tuer. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que vous trouvez ça bien d'inclure comme ça deux cibles de cette destination-là, hein, les avoir toutes les deux dans la même mission? Moi, personnellement, je ne vois pas spécialement l'intérêt, parce que finalement, ils se comportent exactement de la même manière. Ils ont juste refait un briefing qui est le même à l'époque, sauf qu'ils ont fait une petite intro supplémentaire. Il n'y a rien en plus, en fait. J'ai pas l'impression qu'ils se croisent. Mais sinon, après, c'était vraiment... C'était très sympa. Voilà, c'était sympa. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette cible, est-ce que vous avez aimé la jouer, etc. Voilà. Merci à tous. Merci de laisser un commentaire. Merci de partager la vidéo. Abonnez-vous. Continuez à me suivre. Je continuerai à vous proposer d'autres vidéos de Hitman. Et bientôt, justement, des vidéos de musique pour changer un petit peu. Voilà. Donc... le score, et ensuite de nouveau sur l'écran de l'élément débloqué qui est donc le costume emblématique de 47 avec les gants. Merci à tous de m'avoir suivi, c'était Immortal71 Camille. Retrouvez-moi également sur soulgameuniverse.blogspot.com. Merci à tous, encore une fois, partagez, commentez, abonnez-vous, amusez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Merci à tous.